Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très 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 bien. Moi ça va aussi très bien parce que aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon, donc assez rares. Oui, donc c'est des ultra rares, donc des X, des GX et tout ça. Donc en tout, j'en ai, je sais pas combien j'en ai. À peu près 8, oui, je pense 8. Ouais, bah voilà. Donc, c'est parti, hein, écoutez. Alors, on va commencer avec ma moins rare. Donc, c'est celle-ci. Donc, celle-là, c'est une X. C'est une vieille carte. Elle est un peu abîmée parce que c'est quelqu'un qui me l'a donnée. Donc, voilà. Donc, c'est une X. C'est Mustiflo X, tout simplement. C'est une vraie derrière, voilà. Donc, voilà pour cette première carte. Donc celle-là, je ne l'ai pas mis dans l'emballage parce qu'elle n'est pas très très rare. Mais bon. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, qui était à mon frère. Mon frère me l'a donnée. Donc, il s'agit de Exagide X. Donc voilà, elle est sublime. Exagide X, normal, pas full art. Exagide X holographique, je crois. Là, on a Floramantis en GX. Donc, voilà, elle est très très jolie. Donc là, il y a marqué Lurantis, mais c'est normal parce que elle est en anglaise, je crois. Mais en vrai, elle s'appelle Floramantis. Donc, c'est mon amoureux qui me l'a ramené de Suisse. Donc, voilà. Ensuite, on a Yveltal GX. Donc, voilà, très très belle carte. Vraiment très jolie. Donc, celle-là aussi est en holographique. Full art. Et GX. Ensuite, on a un petit Pikachu X. Donc, celle-là aussi, mon amour me l'a donné. Donc, je la sors de sa boîte. Enfin, de son petit truc, là. Donc, elle est comme ça. Elle est vraiment magnifique. Donc, je l'aime beaucoup. Moi, je la trouve vraiment sublime. Donc, je la remets dans son petit truc, là. Ensuite, on a Mega Gardevoir X. Que, encore, mon amour m'a donné. Donc, il m'a donné 3 cartes ultra rares. Donc, voilà. Celle-ci, c'est une une holographique aussi. Ex holographique full art. Voilà. Elle est magnifique. Et pour finir, on a celle-ci. Donc c'est encore une méga Gardevoir. Donc j'en ai deux. Méga Gardevoir Ex 210 PV double énergie. Donc j'ai eu peur quand j'ai vu double énergie parce que je savais pas que ça existait. Je pensais que c'était une fausse. Mais non, vous pouvez regarder derrière, c'est bien une vraie. Voilà. Donc, c'est une méga. Holographique également. Et voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Je crois que c'est ma préférée. Ah non, ma préférée, ça reste Yveltal GX quand même. Et ma deuxième préférée, c'est Floramantis. Et enfin, pour finir. Donc, voilà. C'était mes ex et tout ça. Je vais vous les remettre. Par contre, il va falloir dézoomer à mort. Je vais vous les remettre comme ça, un peu toutes alignées. Elles sont vraiment magnifiques. Vraiment, les cartes Pokémon, si vous aimez vraiment ça, c'est... Je vous comprends parce que c'est génial. J'aime trop ça. Elles sont... C'est trop mignon, quoi. T'as des petits animaux à collectionner. J'adore. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes mes X, mes GX et tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment vraiment plu, moi ça m'a fait ultra plaisir de vous montrer mes cartes Pokémon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ce qui me ferait plaisir quoi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.